Amen de Jean-Pierre Abraham, extrait. Cette ombre-là tremble, devient d'une fragilité pitoyable quand il sourit. Parfois elle s'étend, mange les joues et les yeux immenses. Martin a un visage bleu et gris-argent. Enfant, j'étais poursuivi par de tels visages dans des musées espagnols. On regarde l'heure. Elle vient. Martin se lève en poussant un long soupir qu'il veut cocasse. Il a une sorte d'humour. Il empoigne sa lampe et après m'avoir salué cérémonieusement, l'air figé, il s'engage dans l'escalier. Le bruit des sabots cloutés sur les marches de granit me serre le cœur, m'enthousiasme de façon incompréhensible. Il faudrait aussi parler de la lumière qui règne dans cet escalier, une lumière de cloître. J'ai peur qu'un sabot n'accroche une marche, que le rythme se casse. Il me semble que la nuit tomberait d'un seul coup. Martin doit le savoir, il fait sonner clairement chacun de ses pas. Le bruit décroît lentement, change de ton lorsque Martin traverse la salle des machines, trois coups plus secs sur le carrelage, s'assourdit dans l'escalier de fer qui mène à la chambre de veille et s'éteint. On ne monte pas en sabot dans la lanterne. Novembre, 5 heures. Sans m'en rendre compte, je suis entré dans l'hébétude de ces vieux marins. Naguère encore, quand je descendais, quand je retrouvais l'île après 20 jours, je les admirais, tous alignés sur le quai nord, immobiles, l'œil fixé sur un point de l'horizon. Je les imaginais pleins de sagesse et de souvenirs. Je sais maintenant qu'ils sont sans pensée. La mer est entrée par leurs yeux, leur a vidé lentement l'intérieur de la tête. Parfois, ils ont la chance d'aller au café, boire un verre, mais là encore, au milieu des conversations lentes, à travers les vitres, leur regard est happé par la dévorante. Ils sont rapidement ivres. Je voudrais savoir s'ils ont connu en mer ce moment où la peau s'amincit, ne fait plus obstacle à la lumière. Il y a un instant où ces types ont dû frissonner. Est-ce que c'était trop tard? 22 novembre, 14 heures. La houle est arrivée au point de l'aube. De ma couchette dans le noir, j'ai entendu le premier coup, suivi d'un long silence. La houle de nord-ouest. Je n'ai plus dormi. Nous sommes prisonniers, pour longtemps peut-être. Il n'y a pas un souffle de vent. Houle a dessiné, précise comme un feuillage. Elle déploie maintenant tous ses fastes, s'enroule et s'écrase contre le soubassement, créant autour du phare une vaste plage d'écume dont l'éclat est insoutenable sous le soleil. Je voudrais dire autre chose. Respirez largement. Souhaitez, renoncez, vague après vague. Peut-on être plus démuni? Je suis monté, Martin fait la sieste. En passant devant sa chambre, silencieusement, à la main, sa porte était entrebâillée, je l'ai vu, l'espace d'une seconde. Il était allongé, tout habillé sur sa couchette, les yeux grands ouverts, regardant le plafond. En casquette, il a une tête effrayante, un crâne haut et très blanc, sur lequel pendent quelques longs cheveux. Une tête de noyé. 25 novembre, 26 novembre, 17 heures.
La mer glissait d'un bloc, sans bruit, et le ciel semblait la suivre. Seul ce phare dressé, inquiétant de loin, j'imagine. Nous qui l'habitons, nous sommes au secret. Je crois parfois participer à quelque chose de grave, sans comprendre. Nous entrons dans la période des vives eaux et l'on aperçoit à basse mer un morceau de la roche rouge sur laquelle le phare est bâti. Armen en breton signifie la pierre. Qu'avait-elle de particulier cette roche pour qu'on la nomme ainsi parmi les dizaines d'autres qui émergent sur la basse froide? J'aime ce nom.